Merci Père, parce que tu es celui qui remplit ma cœur, qui remplit mon cœur et ma bouche de louanges. Tu remplis mon cœur et ma bouche d'actions de grâce. Tu remplis mon cœur et ma bouche de bénédictions. Voilà pourquoi aujourd'hui, en ce 14 avril 2018, oh ma bouche s'ouvrira et elle bénira. Elle ne maudira pas mais elle bénira. Elle ne maudira pas, elle bénira. Ma bouche s'ouvrira, elle bénira. Elle ne critiquera pas, elle ne se plaindra pas, elle ne se lamentera pas, elle ne murmurera pas contre les êtres humains, mais elle bénira les hommes, elle bénira les hommes que Dieu a créé à son image, au chêne de rebe, au robot cassine de rebe soko, parce que c'est l'état dans lequel se trouve mon cœur, au rebe sen de rebe. Mon ennemi ce n'est pas un être humain, mon ennemi ce n'est pas un être humain, mais je veux combattre le véritable ennemi, celui qui se cache derrière les hommes et qui les entraîne à poser des actes ignobles et qui les entraîne à agir comme s'ils avaient perdu la raison. C'est lui que je vais combattre, c'est lui et son armée que je vais combattre, mais je ne combattrai pas un homme, je ne combattrai pas une femme, au okay, rebe soko, je refuse cela. Viens ouvrir mon intelligence, au rebe. Qu'au son de ma voix, que quelqu'un soit éclairé, Saint-Esprit, que tu viennes, que tu ôtes le voile dans le cœur de quelqu'un en qui avait de la revendication, en qui avait le désir de vengeance, en qui avait la haine, en qui avait le murmure, le manque de pardon, en qui avait la colère, en qui avait la jalousie contre un être humain. Il a oublié, cette personne a oublié, que son ennemi ce n'est pas un homme, son ennemi ce n'est pas une femme, mais c'est le diable qui utilise les hommes, c'est le diable qui séduit les hommes. Cette personne n'a-t-elle pas lu que les hommes qui sont dans ce monde ont l'intelligence obscurci par le prince de ce monde afin qu'il ne voit pas briller la lumière de l'évangile, mais nous, nous sommes la lumière du monde, l'église est la lumière du monde. Je prie maintenant, je refuse ces choses dans le cœur de l'église, je refuse ces choses dans nos cœurs. Nous refusons ces choses ce matin, et je prie Père, je prie que ta lumière vienne, que tu viennes comme la lumière du monde, que tu es Jésus et que tu éclaires nos cœurs, et que tu éclaires nos cœurs, que tu dissipes toute confusion là où nous nous trompions d'ennemis, là où nous nous trompions d'ennemi, que tu dissipes toute confusion et que tu nous fasses de voir le bon ennemi, les bons ennemis, et que nous combattions uniquement contre le bon ennemi, uniquement contre les bons ennemis. Oh, que nos bouches servent à bénir, que ce matin, qu'aujourd'hui, qu'au moment quelqu'un écoutera cet audio, qu'elle réalise que sa bouche est destinée à bénir, non pas à murmurer, non pas à critiquer, non pas à faire des constats comme d'autres peuvent le faire, en ces temps qui sont particuliers pour nous en France, que la bouche de chaque membre de l'Ecclésia ne serve pas à faire des commentaires sur le gouvernement, ne serve pas à faire des commentaires sur le président de la République française, qui est Monsieur Emmanuel Macron, que nos bouches ne servent pas à nous asseoir comme des journalistes et à faire des commentaires, ça va pas, mais nos bouches doivent servir à bénir. Nous devons bénir les autorités des pays dans lesquels nous vivons, nous devons les présenter devant le trône de la grâce afin d'implorer miséricorde à notre Dieu qui est assis au-dessus de tous les rois, qui est assis au-dessus de tous les gouvernements, au-dessus de tous les présidents. Il règne parce qu'il est celui qui institue et qui destitue les hommes. Voilà pourquoi aujourd'hui ma bouche bénit Monsieur Emmanuel Macron de là où il se trouve. Oh, je le bénis parce qu'il est l'autorité dans ce pays, parce qu'il est le président de la République de mon pays. Je bénis son gouvernement, je bénis Monsieur Edouard Philippe, Premier ministre de la République française. Je l'ai béni, oh Dieu mon Père. Rekabawasi keterebe sondo. Ma bouche servira à bénir. Je ne vais pas m'asseoir et faire des commentaires. Je ne vais pas m'asseoir et critiquer. Je ne vais pas m'asseoir et penser des choses. Mais je vais ouvrir ma bouche et je vais bénir. Je vais ouvrir ma bouche et je vais bénir. Oh Saint-Esprit, viens. Viens renouveler les cœurs. Viens changer nos pensées. Viens changer notre manière de voir. Nous voulons voir, non pas selon une manière humaine de voir les choses, mais selon une manière divine. Selon le regard du Saint-Esprit. Nous voulons nous positionner de ton côté, de là où tu te trouves, afin de voir comme toi tu vois. Afin de voir la nation comme tu vois, afin de voir les autorités de pays dans lesquels nous sommes comme toi tu vas. Pour nous qui sommes en France, je bénis le gouvernement français et je prie pour toute personne qui écoutera cet audio, qui écoutera ce moment de prière, Père, afin que cette personne puisse prier pour sa nation, puisse prier pour la nation où tu l'as établie, et puisse prononcer des paroles de bénédiction pour celui ou celle qui avait l'habitude de critiquer, de murmurer, de toujours parler en mal, de s'asseoir avec ceux qui se parlaient en mal du pays, du Président, que ces temps cessent pour nous maintenant, mais que nos bouches soient trouvées en train de bénir, que nos bouches soient trouvées à l'endroit de la bénédiction où nous nous tenons et nous implorons celui qui est assis sur un trône élevé, et nous nous implorons celui qui est assis sur un trône de justice et d'équité, afin de lui dire, viens bénir nos nations, viens bénir le président de la République, viens bénir les familles des membres du gouvernement, je bénis les familles de tous les fonctionnaires en France, je bénis les familles de tous les officiers de police, oh je les bénis.
Je les bénis, merci pour le travail remarquable qu'ils font. Donne-leur la force et la capacité en ces temps qui sont tellement hostiles ici dans le pays où tu m'as établi, Père. C'est tellement difficile d'être dans l'arbre, dans les forces de l'ordre maintenant. Ils sont pris à partie par le peuple. Il y a de la colère qui gronde de partout, mais je ne vais pas alimenter le feu et critiquer les policiers comme ceci et dire les policiers comme cela. Mais ma bouche servira à bénir parce que ce que je vois physiquement, cette haine qui monte dans les cœurs contre les forces de l'homme, elle n'est pas physique, elle ne vient pas de l'homme, mais elle est inspirée par le diable qui ne vient que pour détruire, pour dérober, pour égorger, pour emmener la division dans le pays, pour emmener le chaos dans le pays. Mais ma bouche servira à bénir parce que par ta grâce au Père, tu me donnes de voir ce qui se passe réellement. Alors je bénis les officiers de police, je les bénis où ils se trouvent, je les bénis où ils se trouvent, je bénis leur famille et je prie pour ta miséricorde, et je prie pour ta miséricorde. Viens enlever la peur dans leur cœur, viens enlever la peur dans leur cœur, viens enlever la peur dans leur cœur, viens enlever le ressentiment, ceux qui pensent en se disant, nous consacrons nos vies pour la sécurité de nos citoyens, nous consacrons nos vies pour la sécurité de ceux de notre pays, et pourtant nous sommes haïs, et pourtant nous sommes méprisés, et pourtant nous ne sommes pas respectés. Oh Père, viens changer, et je prie qu'une de ces personnes, que ces personnes qui travaillent dans les forces de l'ordre et qui sont tellement abusés, je prie que tu leur donnes de rencontrer aujourd'hui d'autres personnes, des êtres humains, des membres de leur propre nation, en qui ils verraient, au travers de qui ils verront du respect, un profond respect en leur qualité d'officier de l'ordre, et qui se disent tout le monde n'est pas pareil, tout le monde n'est pas pareil. Utilise-nous, Père, utilise-nous afin que nous allions comme des lumières, afin que nous allions saler les journées de ces personnes-là et qu'ils voient, oui, ils voient, oui, malgré la rébellion qu'il y a dans la nation, malgré la rébellion qu'il y a dans la nation, il y a des hommes et des femmes, il y a des enfants qui ont du respect, qui sont reconnaissants envers leurs fonctions. Oh, je bénis les pompiers, je bénis les pompiers, je bénis les travailleurs au SAMU, je bénis ceux qui travaillent dans les hôpitaux à Rouen-Maseke, je bénis ceux qui travaillent dans l'éducation nationale, je les bénis, je les bénis. Ma bouche servira à bénir, elle ne servira pas à maudire, elle ne servira plus à faire des constats, mais elle servira à prononcer des paroles de bénédiction. Je prie que tu les bénisses, Dieu mon Père, en les éloignant de leur iniquité, afin qu'ils se tournent vers Jésus, pour ceux qui ne se sont pas tournés vers lui, pour ceux qui ne le connaissent pas. Oh Rebea Sunda là-bas, ma bouche servira à bénir, elle ne servira pas à maudire, parce que mon ennemi, ce n'est pas un homme, mon ennemi, ce n'est pas une femme, ce n'est pas un jeune homme, ce n'est pas une jeune femme, ce n'est pas un enfant. Mon ennemi, c'est le prince de ce monde qui aveugle et qui utilise des hommes comme des marionnettes. Mais gloire te soit rendue de ce que tu viens ton, dans ton ecclésia et que tu viens éclairer, tu viens renouveler notre intelligence, notre manière de voir, afin que nous voyons différemment, nous qui sommes la lumière du monde. Tu as dit que nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre, il est temps que nous retrouvions notre saveur. Je prie pour mes frères et mes sœurs dans la foi en Jésus, d'où qu'ils se trouvent. Viens, viens Père, viens remettre sur le droit chemin celui qui s'était perdu, celle qui s'était perdue en se trompant d'ennemis, en commençant à en vouloir aux êtres humains. Je t'en prie, viens remettre sur le bon chemin, parce que les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas humaines, elles ne sont pas selon l'homme, afin que nous allions nous en prendre aux êtres humains. Non, nous avons un ennemi, et c'est lui que nous devons identifier, et c'est contre lui seul que nous devons concentrer nos actions, concentrer nos forces, concentrer notre énergie. Ce n'est certainement pas contre les hommes qui ont été créés à l'image de Dieu. Voilà pourquoi je bénis tous les êtres humains, je bénis tous les êtres humains ici en France, en Europe, partout dans le monde, dans tous les continents. Je bénis tous les êtres humains. Puissent-ils être bénis par le Dieu des cieux, puissent-ils être bénis par celui qui est assis sur un trône élevé, puissent-ils être bénis par celui qui est roi, par celui qui est roi des siècles. Alléluia, au siècle des siècles. Il n'a pas eu besoin du consentement d'un homme pour être roi, il n'a pas eu besoin du consentement demande un homme pour être Dieu. Il est El Shaddai, il est le Tout-Puissant, il est El Elyon, celui qui est élevé au-dessus de tous les règnes dans ce monde, celui qui est élevé au-dessus de tous les noms, de toutes les situations, de toutes les pensées. Oh, je te rends grâce mon Dieu, parce que tu es fidèle et véritable, et c'est un bonheur, c'est un privilège d'être à tes côtés et de te connaître, parce que tu es la lumière véritable qui éclaire notre sentier. Merci parce que tu nous donnes de marcher dans la sagesse. Alléluia, là où hier nous nous en prenions aux hommes, aux êtres humains, mais aujourd'hui tu nous donnes de marcher dans la sagesse et de ne plus en vouloir à mon frère, de ne plus en vouloir à ma sœur selon la chair, c'est-à-dire à ceux qui sont nés là-dedans comme moi, mais d'en vouloir à celui qui les anime, à celui qui se moque d'eux et qui se moque par essence de tous les êtres humains. Horebe Shakinama, que nous qui sommes enfants de Dieu en Jésus, que nous puissions faire la différence là où nous sommes, que nous fassions la différence dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos familles, dans nos maisons, dans nos quartiers, au travail là où nous sommes, à l'école là où nous sommes, et là où les autres apportent la division, que nous soyons des enfants de paix, parce que nous sommes des enfants de paix. Il est temps de marcher maintenant en tant que tels.
Nous ne nous asseyons plus là où l'on est en train de critiquer le patron, de dire ce qui va pas et nous tairons, mais nous prendrons en position en disant je n'écouterai pas ça. Ce que nous faisons n'est pas correct. Je refuse de parler ainsi de notre responsable au sein de là-bas, mais que derrière, nos cœurs s'ouvriront, nos bouches s'ouvriront dans la prière afin de bénir. Oh, c'est la journée de la bénédiction. C'est ici la journée que Yahweh a faite pour nous. L'Éternel nous a donné cette journée afin qu'elle soit pour nous une journée où nos bouches s'ouvrent pour bénir, pour proclamer des paroles de bénédiction en accord avec la volonté de Dieu pour les hommes, en accord avec la volonté de celui qui a créé les hommes, non pas afin qu'ils finissent en enfer. C'est pas là la destination des hommes. Alors ouvrons nos bouches et bénissons, ouvrons nos bouches et bénissons, ouvrons nos bouches et bénissons. Que le murmure ne soit plus nommé au milieu de nous, que la calomnie ne soit plus nommée au milieu de nous. Orobosaka, que les revendications, les désirs de vengeance ne soient plus nommés au milieu de nous. La haine, la colère, l'indifférence par rapport à d'autres êtres humains, nous ne serons plus indifférents. Nous refusons l'indifférence, nous refusons l'indifférence. Là où le diable emmène le chaos, nous refusons d'être indifférents et de dire que cela ne nous concerne pas. Mais nous allons nous lever parce que nous sommes l'Ecclésia. Nous allons nous lever là où il y a des chaos dans nos familles, là où il y a des chaos dans nos quartiers, dans nos nations, dans nos villes. Nous allons nous lever et nous allons refuser ces chaos parce que nous sommes la lumière du monde. Parce que nous sommes la lumière du monde. Merci, merci parce que tu remplis ma bouche de louanges, tu remplis ma bouche d'actions de grâce et tu l'as remplie de paroles de bénédiction. Aujourd'hui est une journée nouvelle pour moi afin que je puisse bénir, afin que je puisse bénir. Et je ne retiendrai pas ma bouche, je prononcerai des paroles de bénédiction, je prononcerai des paroles de bénédiction. Je te rends grâce, Dieu mon Père. Merci, merci pour ces bouches que tu ouvres, merci pour ces cœurs que tu purifies au préalable, afin que nos bouches puissent prononcer des paroles de bénédiction qui monteront auprès de ton trône. Parce que si certainement il y a des hommes sur la terre pour prier, si certainement il y a des femmes sur la terre pour prier, des enfants, des jeunes gens sur la terre pour prier, c'est qu'il y a un Dieu qui est dans les cieux pour entendre et pour exaucer. C'est devant toi que nous venons devant toi. Ne passe pas à autre chose, prends le temps tout seul, toute seule, de continuer à prier. Continue à prier dans le sens de cet audio que tu viens d'écouter et je mets dans la barre d'information un lien que tu dois impérativement lire qui s'intitule « Connais ton ennemi et ne combats que lui » qui va dans le sens de la prière qui a été réalisée dans cet audio. Nos ennemis, ce ne sont pas des êtres humains, mais c'est le diable qui utilise des hommes. Alors prends le temps de lire ce texte qui s'appelle « Connais ton ennemi et ne combats que lui ». Je le mets dans la barre d'information, mais surtout, prie, prie et continue de prier. Et je prie que le Dieu qui m'a sauvé, je prie que le Dieu qui me garde, je prie que le Dieu qui est avec moi puisse te remplir, remplir ton cœur de louange, remplir ton cœur de paroles de bénédiction, et surtout que son esprit de prière vienne et t'inonde, que son esprit de prière vienne et te remplisse afin que tu deviennes un homme et une femme, un jeune homme de prière si ce n'était pas déjà le cas. À très bientôt.